Mais oui, nous nous trouvons à la Foire du Livre, au Théâtre des Mots. Amélie Nothomb va dans quelques instants parler de son dernier livre, Frappe-toi le cœur. Social plus ou moins possible. Les monstres que nous connaissons tous, nous en connaissons tous au moins un, ce sont des gens qui ont décidé ou qui n'ont pas réussi à dompter une de leurs monstruosités et qui ont décidé de la montrer à tout le monde. C'est admirable. Mais ça pose problème, bien sûr. Voilà, il y a des lois à respecter, toutes les lois ne sont pas écrites. Le monstre est celui qui transgresse l'une de ces lois et qui le montre à tout le monde. Dans le cas de Marie, pour reprendre la métaphore d'être enceinte, dans son cas, c'est vraiment réel, puisque elle, pour le coup, c'est une femme d'une beauté incroyable. Tout le monde se retourne sur son passage. Elle pense à 18 ans, comme chacun d'entre nous, que le monde lui est ouvert, que tout est possible, et elle tombe enceinte. Oui. Pourquoi est-ce qu'à partir de là, tout se dégrade en elle et elle se sent monstrueuse à ce moment-là? Mais tout simplement parce qu'elle tombe enceinte sans l'avoir désirée. Le début de mon livre, c'est 1971-1972. De telles choses se produisent. Bon, ça se produit toujours, hein, du reste. Hein. Mais ça se produisait encore plus à l'époque. Hein. La pilule, c'est 74, je crois. Donc, oui, tomber enceinte sans l'avoir désirée, ça donne souvent de très, très, très mauvais résultats. Et pour elle, c'est véritablement son rêve qui s'écroule à partir de là, alors que justement, elle venait de rencontrer le prince charmant. Oui, elle venait de rencontrer le prince charmant. Elle aurait pu être la prima donna pendant... Elle voulait être la prima donna de sa ville pendant un certain nombre d'années. Et patatras, elle est enceinte tout de suite. Et elle considère cette grossesse comme une perte de son premier rôle. En plus, elle met au monde une petite fille parfaitement belle, donc ça c'est pire. La petite fille est parfaitement belle. Du coup, vraiment cette petite fille est venue lui ravir la vedette. Elle est incapable de voir les choses autrement que comme ça. Quelqu'un est venu me voler mon premier rôle, maintenant c'est elle. Donc c'est un cauchemar. Est-ce que ça aussi c'est un tabou que vous avez voulu pointer dans ce roman, de montrer qu'on peut ne pas aimer son enfant? Oui, bien sûr qu'on peut ne pas aimer son enfant. Là encore, je ne me place pas sous les angles de la morale. Je parle de ce qui existe. Il existe, bien sûr, des mères et des pères qui n'aiment pas leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils sont majoritaires, mais ça se produit. Et alors, il y a des cas très ambigus. Il y a des cas de parents qui croient aimer leurs enfants ou qui font semblant d'aimer leurs enfants. Le cas de Marie est très simple. Elle ne fait même pas semblant. Elle ne sait même pas qu'elle n'aime pas son enfant. Mais de toute évidence, elle ne l'aime pas. Elle ne pense même pas qu'elle pourrait aimer Diane. Diane lui a ravi non seulement la vedette, comme vous le disiez, également la beauté, mais aussi sa jeunesse. Pourquoi? Mais parce que, au lieu de penser que Marie a un enfant à 20 ans, là encore, il y a des femmes qui s'accommodent très bien de cette situation. Mais là, Marie pense qu'elle n'a plus de jeunesse du fait qu'elle a... Quelqu'un est venu lui voler sa jeunesse et que c'est son enfant. C'est une... Bon, elle entre dans une psychose, quoi. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Évidemment qu'on peut être jeune et avoir un enfant et vivre sa jeunesse tout en ayant un enfant. Mais Marie considère la naissance de Diane comme un vol. Sa première place lui est volée. Tout lui est volé, y compris sa jeunesse, y compris sa beauté. Par contre, après, elle va avoir un petit garçon et ce garçon-là, elle va avoir un comportement totalement différent. Pourquoi est-ce que Diane lui renvoie un miroir d'elle-même alors qu'un petit garçon, étant le sexe opposé, va provoquer autre chose en elle? Là, il y a une différence fondamentale. C'est un garçon. Bon, ben là aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est une différence fondamentale. Bon, là, ce n'est pas une loi absolue. Il y a des relations mère-fils qui se passent très mal. Ça peut aussi arriver. Mais il y a plus souvent des relations mère-fille qui sont compliquées, je pense. Voilà. Là encore, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. Ma mère qui dort toujours. Elle se réveille chaque fois. Tu te réveilles chaque fois que je parle de toi, maman. Maman a eu 3 enfants, un garçon et 2 filles. Et ça s'est très très bien passé. Et ça se passe toujours bien. Mais ma soeur et moi, nous sommes quand même témoins du fait que quand il était question du garçon, c'était quand même très différent.
Voilà, c'est comme ça. Peut-on nier qu'il s'agisse d'une grande différence ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les relations familiales et dans la façon dont elles se tissent dans cette cellule-là ? Ah là, écoutez, nous venons tous de là. Nous sommes tous... Freud est le premier qui a parlé de ça si simplement, mais oui, bien sûr, l'équation fondamentale, elle est là. Essentielle, presque maternelle, au départ, pour votre héroïne. Olivia Aubusson est donc cette femme extrêmement brillante, professeure d'université, que Diane va rencontrer à l'âge de 25 ans, et dont elle va s'éprendre intellectuellement et faire, sans s'en rendre compte, une mère d'élection. Processus fréquent et qui parfois se passe très bien. Je connais beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes qui se choisissent une mère d'élection et où ça se passe magnifiquement. Bien sûr que les mères ne sont pas forcément des mères de sang et que ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est une mère de cœur et qu'on peut en trouver. Mais encore faut-il bien choisir la personne, bien sûr, parce que le malheur de Diane, c'est qu'elle choisit très mal. Elle est éblouie intellectuellement et elle ne voit pas que la femme dont elle s'éprend intellectuellement n'a pas de cœur. Et donc ça va être un cauchemar, parce que autant Marie n'était qu'une pauvre fille qui s'était trompée, qui avait une faille psychologique profonde, autant Olivia, elle sait très bien ce qu'elle fait. Olivia voit tout de suite que Diane va être une esclave utile, taillable et corvéable à merci, ô combien brillante, et dont elle pourra tirer un maximum, et elle ne s'en prive pas. Est-ce que dès lors, vous aussi, vous avez peut-être, même si vous avez eu des parents extrêmement aimants, aussi des figures comme ça d'élection, des mères ou des pères d'élection, que ce soit en littérature ou que ce soit dans d'autres domaines ? Je n'ai pas vécu ce processus. Là encore, merci papa, merci maman de ne pas m'avoir mise dans l'obligation d'aller chercher ailleurs. J'ai toujours été une admiratrice. J'ai toujours aimé admirer. Et je me suis... Enfin, on ne choisit pas ses objets d'admiration, on tombe en admiration, et j'ai beaucoup grandi avec ça, mais c'était plus des admirations lointaines, ce n'était pas des gens que j'avais besoin de voir. Un souvenir qui m'amuse, c'est que du temps où je n'étais pas écrivain, je suis venue une seule fois à la Foire aux Livres de Bruxelles en tant que lectrice, avec un livre à signer, et c'était... Quand j'avais 19 ans, c'était pour rencontrer Joseph Hans et j'étais venue avec ma grand-mère pour lui faire signer ma grand-mère. Donc voilà, peut-être que j'avais choisi Joseph Hans comme objet d'admiration. Ça s'est bien passé. Magnifiquement, il a été très gentil avec moi. Et justement, ça vous apporte quoi d'être à la Foire de Bruxelles chaque année, la Foire du Livre ? C'est très émouvant. Ce n'est pas le seul salon du livre que je fais, mais c'est la seule fois que je dédicace chez moi. Et à la fois c'est très touchant et à la fois je dirais que la pression est d'autant plus forte. Je me sens encore moins le droit à l'erreur ici qu'ailleurs. L'erreur étant, vous savez qu'on met beaucoup en exergue, souvent à tort, ma grande mémoire est souvent vraie, mais elle connaît des failles fondamentales. Je présente mes excuses par avance aux gens que j'appellerai par un prénom qui n'est pas le leur, et aux gens que je ne reconnaîtrai pas parce qu'on a beaucoup exagéré mon phénomène d'hypermémoire, il connaît ses failles aussi. On parlait de, parce que c'est au cœur de ce livre aussi, le fait de donner ou de recevoir d'amour. Justement, vous recevez énormément d'amour de gens que vous ne connaissez pas, de lecteurs dans le monde entier. Comment est-ce que vous vivez cela ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est énorme, c'est un cadeau... magique, qui me fait un bien fou, qui vient certainement soigner quelque chose de très ancien chez moi et qui me fait un bien fou. Ça fait beaucoup plus de bien qu'autre chose. Mais avec ce revers de la médaille que il me faut être à la hauteur, c'est-à-dire qu'il faut que je donne aussi. Bon, ça m'est très naturel, aimer les gens m'est extrêmement naturel. Mais j'ai toujours cette peur de me tromper, de faire une erreur. D'abord, là, ce que je disais tout à l'heure, la mémoire, je sais que les gens sont vexés parce qu'on a beaucoup dit à tort que j'étais hyperbésique, c'est pas vrai, j'ai une bonne mémoire, c'est tout, et je suis capable de me tromper, soyez-en sûrs. Et puis là aussi, de faire des gaffes, quoi.
qui est dangereux dans le cas de votre héroïne, c'est qu'elle peut se faire vampiriser à un moment donné. Pourquoi est-ce que ce phénomène vous intéresse-t-il et pourquoi vous avez voulu l'explorer ici? C'est très intéressant, c'est une horreur et ce sont des choses qui peuvent se produire. Dans une moindre mesure, de façon moins grave, c'est une chose que j'ai pu vivre en amitié, particulièrement quand je suis arrivée en Belgique, vers l'âge de 17 ans. Je crois qu'on est nombreux à avoir vécu ça dans l'adolescence. On a tellement besoin d'être aimé, on a tellement besoin d'amis, peut-être encore plus besoin d'amitié que d'amour, qu'on fait des grandes erreurs. On veut se sauver, on veut être malédiction, mais en partant, en s'en allant, en devenant adulte. Et Diane, dans un premier temps, se sort remarquablement de sa malédiction. Le jour où elle comprend qu'elle ne va pas guérir sa mère et qu'elle doit se sauver, elle se sauve. Elle se sauve et à 18 ans, elle va vivre ailleurs. Elle devient une jeune adulte admirable, accomplie. Et dans un premier temps, elle donne vraiment l'impression de s'être sauvée. Bon, le malheur, c'est que quand on a vécu un tel drame, généralement, il prend un visage très inattendu pour se représenter à vous. Et ce qu'on croit être une consolation s'avère le plus souvent être la malédiction ultime. Diane, à l'âge de 25 ans, rencontre une autre femme qui a l'âge de sa mère. Et c'est une professeure d'université brillante. Elle s'éprend intellectuellement de cette femme si brillante et si supérieure. Et dans un premier temps, ça va donner des flammes. Et puis, ça va devenir un cauchemar. Vous utilisez le mot malédiction. C'est vrai que les psychologues ont plutôt tendance à dire relation toxique, mère toxique ou relation amoureuse ou amicale toxique. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans, dans ces relations qui peuvent justement devenir poison ou malédiction? Quand il s'agit de relations tellement fondamentales que celles qu'on peut avoir avec sa mère ou son père, nous savons tous que nous sommes créés à partir de cette relation-là et que la vie amoureuse que nous aurons quand nous serons adultes sera fonction de cette relation-là. Donc, mon idée en écrivant... ça y est, oui, c'est pas le mot, bouquin. Frappe-toi le cœur. C'était d'écrire un livre sur la jalousie. La jalousie étant pour moi un mystère fascinant dont je voulais absolument parler. Et pour moi, toute jalousie vient de la relation qu'on a avec son père ou sa mère, selon que son père ou sa mère soit la personne la plus importante à ses yeux. Les adultes jaloux, la jalousie s'exprime généralement dans la vie de couple. J'aurais pu explorer ça, mais ça ne m'intéressait beaucoup moins dans la mesure où pour moi, c'est pas là que ça apparaît. Ça apparaît beaucoup plus tôt. Si on a un problème de jalousie, c'est que quelque chose n'a pas été réglé dans la petite enfance avec son père ou avec sa mère. Donc je voulais examiner le cas d'une petite fille dont la mère était jalouse et qui après est soupçonnée d'être jalouse alors que ce n'est pas vrai, c'est sa mère qui la jalouse à la base. Et là aussi, il s'agissait d'affronter un grand tabou, le tabou de la mère jalouse de son enfant. C'est très récent qu'on a le droit de dire que oui, ça arrive. Il arrive qu'un père ou une mère soit jaloux de son fils ou de sa fille. C'est presque le syndrome Cendrillon, j'ai envie de dire. Bon, Cendrillon, c'est sa belle-mère, alors qu'ici, c'est la mère. Et c'est vrai que souvent, dans vos contes, dans vos romans, voilà le lapsus, vous jouez beaucoup sur la thématique des contes. Pourquoi? Les contes ont cette immense vertu de permettre qu'une très grande économie de moyens narratifs. Quand on raconte un conte, on n'est pas obligé de passer par la sociologie. La sociologie peut être quelque chose de très intéressant. Mais même si mes personnages en général ont un environnement sociologique, je n'ai pas toujours envie de le raconter à fond. Non que je ne trouve pas ça intéressant, mais ce n'est pas pour moi. Donc généralement, l'environnement sociologique de mes personnages est esquissé, n'est pas approfondi. Le conte permet ça. Par ailleurs, le conte permet d'affronter des questions gravissimes
avec beaucoup de légèreté, et ça j'adore. Si vous examinez ce que racontent les contes, ce sont des histoires atroces. Tous les contes ne racontent que des histoires atroces. Évidemment, il y a Peau d'âne, ça on sait tous que Peau d'âne est une histoire plus que scabreuse, mais les autres ne valent guère mieux. Le petit chaperon rouge, c'est abominable, Barbe bleue, c'est épouvantable. Tous les contes racontent des histoires atroces, mais de façon très abordable. Nous avons tous survécu à notre lecture des contes. Bon, je sais qu'il existe quelques mères modernes qui disent « Ah non, moi je ne vais pas raconter les contes à mon enfant parce que c'est beaucoup trop affreux. » Mais je pense qu'elles ont tort. Les contes nous éduquent extrêmement parce que justement, ils nous apprennent très tôt, quand on est des petits-enfants, que oui, en effet, des choses abominables se produisent dans la vie, qu'il existe des grands méchants loups qui veulent nous manger, tout ça est vrai. Mais en même temps, ils nous enseignent que ce n'est pas si grave. Il y a moyen de s'en sortir. Ce ne sont pas des tragédies. Oui, l'histoire est tragique, mais on peut s'en sortir. Et comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort avec un peu d'astuce, avec un peu de magie. Donc finalement, les malédictions, on peut les contourner. Les malédictions existent, mais on peut les contourner et on peut s'en sortir.